Benjamin Massé, secrétaire général de Tonnerre Football Club. Par-dessus, il y a eu un jeu. On dépend, on savait que c'est une très bonne équipe. Et ils ont prouvé vraiment sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, prendre un point dès la première journée, c'est pas mal. La deuxième journée, elle sera une équipe, une rencontre très, très attendue. Sûrement, bon, l'équipe du Mungo, j'espère qu'on va remonter le moral de nos joueurs et à la fin, on va gagner. Voilà, c'est automatique, on doit gagner ce match. Vous jouez à domicile, est-ce que vous avez trop de pression? Oui, là, il y a eu la pression. Parce que quand j'essaie de voir mes joueurs, il y a eu vraiment de la pression. Et du public, des parents et autres, bon, ça a tellement joué les 15 premières minutes. Bon, à la deuxième minute, ils ont essayé un peu de pousser le niveau, mais les conditions climatiques, il y avait trop, le soleil a tellement dérangé. Et bon, j'espère que ça va aller dès la deuxième journée. Le projet de l'équipe? La montée, là, c'est le champion du département, la Saint-Martin, est toujours champion. Parce que le football, c'est la Saint-Martin. Donc, on va tout faire pour se qualifier pour la deuxième division.